à tous. Donc aujourd'hui, ouverture d'un autre cylindre envoyé par Vince. Alors, il s'agit d'un riquet, qui a été fabriqué pour la société Caisse de Ville, qui est une quincaillerie du Vimeux. Donc on voit ça au petit cul hein, qui est estampillé sur la face avant, au-dessus de riquet. Voilà. Donc petit cylindre intéressant, 5 goupilles qui comportent également 5 billes sur chaque goupille. Sur chaque active, il y a une bille hein, qui permet de réduire le frottement sur les goupilles à l'insertion de la clé et donc l'usure de ces dernières. Voilà. Bon, ça change pas grand chose au crochetage, à part que ça glisse un peu hein, quand on prend appui dessus. Voilà. Donc a priori, pas d'anti-crochetage hein, sur ces goupillés. Peut-être sur les actifs, parce que j'ai eu quelquefois des ouvertures où tout semblait en place et que j'ai dû relâcher pour avoir l'ouverture. Bon, alors je sais pas si y a de l'anti-crochetage sur les actifs ou pas. Voilà, donc des placements qui sont pas très francs, hein. On a l'impression des fois d'être un peu dans de la mélasse. Et il faut se fier juste aux petites avancées du rotor, mais qui sont très minimes quand même. Cylindre qui semble très bien fait. La cinquième. Alors souvent j'ai eu des problèmes avec cette cinquième hein, qui a du mal à se mettre en place. Et que si on la pousse trop loin, il faut relâcher pour l'ouverture. Bon. C'est peut-être le cas sur ce coup-là. Voilà, tout semble pas mal là. Bon, je vais relâcher un petit poil. Voilà, je vais me remonter. Là c'est la cinquième. Voilà, vous voyez que le cylindre n'est pas évident du tout. Donc on retouche les goupilles. Hein, Ça semble en place tout ça. Voilà, ouverture. Donc, petit relâché, et donc encore, hein, je devais en avoir une qui était un poil trop loin. Donc on va se le faire dans l'autre sens. Donc concernant l'entraînement, c'est quand même assez léger. Hein. Il faut vraiment être concentré, il faut pas l'ouvrir les mains dans les poches celui-là parce que bon il reste fermé. Là j'ai mis un bon clic, toujours bien. Donc c'était la deuxième, la première, cinquième. Voilà. Petite avancée. Cinquième, de nouveau. Ah, c'est vraiment celle qui me pose des problèmes. Je sais pas pourquoi. Je vais le démonter éventuellement. Cinquième, de nouveau. Là, a priori, ça joue entre la cinquième et la première. Là, par moment, j'ai l'impression qu'il y a une petite sératine sur la cinquième. Vraiment bizarre. Voilà, ouverture. Merci Vince.